La moto ancienne, c'est le cœur de l'offre en livre. C'est l'intérêt principal. Et donc, en tant que libraire spécialisé moto, le seul en France, j'ai évidemment une offre essentielle sur ce sujet. Et donc, c'est logique pour moi d'être ici. C'est habituellement un endroit où se réunissent que des passionnés. Des passionnés de moto, des passionnés de course, bien sûr. Donc c'est un monde dans lequel forcément je me sens bien. A toujours été soucieux, je dirais, de préserver l'héritage de la marque. C'est vrai que notre marque a maintenant plus de 50 ans puisqu'elle est née en 1955. Je dirais qu'on a une philosophie chez Yamaha, c'est que depuis toutes ces années, c'est cultiver, c'est entretenir un petit peu toutes ces anciennes motos qui regroupent aujourd'hui autant de passionnés. On a les produits actuels et on a les produits futurs. Mais c'est pas parce qu'on vit dans l'actualité et au futur qu'il faut dénigrer le passé. Et donc Yamaha Motor France a mis en place un Yamaha Classic Service où nous proposons à nos clients de refaire leur machine, de récupérer des documentations, des fiches techniques, de commander des pièces également, voire parce que c'est vrai que la particularité c'est que les pièces sont gardées en stock 20 ans et qu'au bout de 20 ans on n'a plus de pièces. Sauf qu'il reste toujours des pièces chez certains importateurs, chez certains distributeurs, ce qui fait que les vrais passionnés font leur course. Et puis si vous voulez, ça a toujours été dans la philosophie de Yamaha de préserver cet héritage. Yamaha, mais on vous connaît moins en tant que collectionneur de motos. Oui, même si j'aime pas beaucoup le mot de collectionneur, parce que il y a un côté un peu passéiste et un peu, je dirais, à rechercher de la valeur. Alors moi, je cherche pas de la valeur, je cherche simplement à partager ma vie avec des motos qui m'ont marqué et qui m'ont inspiré et avec lesquelles je crois avoir de bons souvenirs. Donc j'avais toujours dit que je ne ferais pas de collection, mais c'est vrai que maintenant je commence à avoir pas mal de motos, alors à force, il faut que j'arrive à assumer d'être collectionneur, je crois. Mais j'ai du mal avec le mot quand même. Et quelle sera la prochaine acquisition? Pour le moment, j'essaie déjà de payer les acquisitions que j'ai en cours, et c'est pas facile, parce que j'ai aujourd'hui à peu près 45 motos, beaucoup de Yamaha, même si je n'ai pas que des Yamaha, parce que j'essaie de faire en sorte d'avoir des motos avec lesquelles j'ai la chance d'avoir une histoire, dont j'ai réussi à racheter toutes les motos qu'avait mon père et avec lesquelles, en cachette, j'allais rouler. Donc j'ai une R69S BMW, j'ai une Laverda 750SF. Et puis après, j'ai des motos qui m'ont inspiré parce que je rêvais de compétition. Donc j'ai une 400 Kawasaki, une 400 KH. Et après, j'ai des motos avec lesquelles j'ai roulé vraiment. Donc j'ai ma 125 Honda du Challenge Honda, j'ai ma 2,5 du Dakar. Et puis après, j'ai beaucoup de Yamaha, donc de TZ, parce que j'ai toujours été passionné par la vitesse. Et donc j'ai à peu près 25 TZ ou TA, enfin ça va de la 125 TA à la plus récente qui doit être une 250 TZM usine de 98. Là-dedans j'ai du 500, du 700, du 750, du 350, du 250. J'ai à peu près toute l'histoire du Yamaha Grand Prix, en tout cas à travers des compétitions clients. Et la prochaine, c'est difficile à savoir. Enfin, si, j'essaye toujours de me calmer. Mais pour le moment, j'ai eu la chance de pouvoir acheter une grande partie des motos qui composaient le Yamaha Racing Classic Team, qui avait été monté par Ferry Brower, qui était l'ancien mécanicien de nos pilotes de Grand Prix dans les années 70. Yeah.
Yeah, for sure. I mean, I'm happy to be here. I've only just walked through the door. I've been in the building for 2 seconds, so I'm quite excited to go and have a look around the show. I know, I believe there's some old bikes here, some, you know, obviously, I like the old bikes myself, you know. I have a bike collection myself, so I'm really excited to go and have a look around and meet the people and the fans, and, you know, hopefully tonight and tomorrow we can have some fun and tell some stories about some old bikes. Thank you. Bon, l'idée, elle est que je collectionnais les timbres depuis gamin, et bon, après, ça a été d'allier plusieurs passions. Donc, je collectionne les timbres sur la moto, sur la bande dessinée, et puis voilà. Dû la rencontre aussi avec Stéphane Coleman qui a signé la préface du bouquin, et c'est lui, après avoir vu ma présentation sur la moto philatélique pour en faire une expo, qui m'a poussé à en faire un livre, en me disant faisant un livre ça se prête bien à faire un beau livre. Et dans ce livre je vois qu'il y a des timbres vraiment moi qui m'ont complètement scotché, qui m'ont retransporté dans mon enfance. Qu'on voit les mobilettes, l'île d'Aman, toutes les motos, c'est des timbres que tu possèdes ou c'est vraiment un travail d'archiviste hein? Non, enfin là, tout la 99,9% des timbres qui sont dans le livre m'appartiennent. Je les ai scannés, c'est ma collection. Salon très bien organisé. Je pense que c'est très intéressant aussi bien pour les passionnés qui cherchent la pièce d'occasion que pour la diversité et la richesse des stands. Voilà, ici, on sait déjà ce qu'on veut voir. Et on a déjà des endroits où on veut absolument ne pas négliger ça. Voilà, donc non, c'est un stand de passionnés. Quand on vient là, on sait pourquoi, on sait ce qu'on veut voir, pourquoi est-ce qu'on est là. Quitter ta concession Flumirincourt pour venir sur ce salon. Cette année, t'as pas de stand. Comment ça se fait? Comment ça se fait? C'est qu'à l'heure actuelle, je suis tout seul à la concession. J'ai un commercial qui est parti en vacances. Donc tu vois, un petit peu bloqué. Et je viens en spectateur, juste après le boulot, pour venir voir encore ce super salon que j'adore. D'accord. Bah, dis-moi-en un peu plus sur ce salon. Qu'est-ce qui t'apporte? Bah, que du bonheur, comme d'habitude. Je te l'ai déjà dit l'année dernière, mais c'est vrai que du bonheur. Et bah là, je vais retrouver encore des amis, des gens que je connais, donc c'est que du plaisir. Je salue Bruno, mon ami Bruno qui est derrière. Alors, un habitué. C'est pas du salon, ouais, c'est chez toi ici. C'est mon salon. J'invite que les amis. Toutes les motos, c'est moi qui les sélectionne, presque. Presque. Alors, je suis chez moi ici. Le seul problème, c'est que je connais tellement de monde que j'ai pas le temps de voir les motos. Et même si je suis content de voir les potes, ça m'énerve au bout d'un moment. J'ai envie de dire, bon, laissez-moi regarder les motos. Donc c'est la deuxième session que je fais. Ce qui ressort, c'est cette passion. La passion à tous les niveaux. La passion donc, en fait, au niveau des exposants, la passion donc, des journalistes qu'on a donc, régulièrement au téléphone. Et ça, je trouve que travailler pour des passionnés et faire connaître encore plus donc, ce salon et faire découvrir pourquoi pas des passions auprès des jeunes, je trouve ça hyper motivant. Sur cette 16e édition qui était fixée à une date qui n'est pas la nôtre, puisque nous avons l'habitude de faire ce salon fin novembre, la date n'était pas disponible et donc nous avons eu le choix entre ce week-end 25, 26, 27 octobre et faire le salon la veille de l'ouverture du salon de la moto. Donc pour nous c'était vite entendu, puisque si on faisait ça la veille du salon de la moto, c'était des constructeurs, nos partenaires constructeurs qui sont de plus en plus nombreux sur le salon,
qui ne pouvait pas déménager dans la nuit, bien évidemment. Donc nous avons choisi cette date qui n'est pas forcément une bonne date puisque c'est les vacances de la Toussaint, mais les premiers compteurs indiquent qu'on devrait normalement aller sur le même train que l'année dernière, c'est-à-dire aux alentours de 25 000 visiteurs. Beaucoup d'animations ont contribué à parfaire ce score, en tout cas l'égaler. Bien évidemment la venue de John McGuinness sur le salon, quelqu'un de très ouvert pour les dédicaces, qui a fait un show, et on y a participé à une conférence, il ne pouvait pas quitter un stand où il dédicaçait, c'était compliqué, mais franchement ça a été la plus belle animation à mon avis grâce à Motul sur le salon. Ensuite, exposition BMW qui a été une exposition très enlevée avec des, comment dire, des modèles rares, notamment la R75 Imola qui est arrivée du fin fond de l'Allemagne, et aussi la moto de l'affiche, hein, la R32 qui est un modèle rare et unique, toujours du même collectionneur. On peut... C'est passionnel, vraiment à l'état pur. La passion de la moto ancienne, Nicolas, elle vient d'où chez toi ? Ah, la passion, bonne question. J'ai été élevé par mes deux frères, donc j'en avais un auto et un moto. Et à l'époque, nous nous habitions pas très loin du circuit des Essarts. Donc j'ai usé mes fonds de culotte sur le circuit des Essarts, un vrai circuit d'hommes. Et j'ai eu l'occasion de rencontrer Reed, Agostini, Cooper, j'étais tout petit. Et bien évidemment Finlay. Mais juste avant, j'avais vu un film qui m'avait marqué, c'était le film de Jérôme Lapérouzas, Continental Circus. Et là est parti ce déclic. Et après, j'ai continué à suivre la moto. Et après, quand je suis rentré dans le groupe LVA, tout naturellement, quand on m'a donné la charge, enfin pas la charge parce que c'est un plaisir de l'événementiel avec le salon et surtout avec les coupes, j'avais l'impression d'être un gosse et que je réalisais un rêve de voir les champions du monde, d'être avec eux, de leur dire venez, je vous invite, d'organiser des séries avec des pilotes comme Sarron, Agostini, Gardner, Spencer, Baker, j'en passe et des meilleurs. Et voilà, ça vient de là tout simplement. D'accord, merci. Bonjour messieurs, je vous ai surnommé il y a un an Tic-Tac parce que vous êtes les deux qui avez électrisé les coupes Moto Légende et les salons Moto Légende sur Internet, Facebook et tous les autres supports. Mm-hmm. Donc vous avez mis de la lumière et modernisé ce salon. Parlez-moi un peu de votre passion à tous les deux. Alors, Charlie, tu commences. Alors, présentez-vous aussi parce que Tic et Tac, c'est pas normal. Alors, lequel est Tic, lequel est Tac ? Alors, Tac, Tic, Tic-Tac. Tac, Tic, Tic-Tac. Ah, je t'en prie. Ok. Donc, Charlie Georges, j'ai intégré donc, l'entreprise Édition LVA, donc organisateur du salon et des coupes Moto Légende il y a maintenant deux ans. Et donc, je suis aujourd'hui donc, Community Manager du Pôle Moto. Voilà, et donc moi je suis Sébastien Garnier, j'ai intégré aussi les éditions LVA il y a deux ans et j'ai été embauché justement pour essayer de redynamiser ce monde de la moto ancienne qui est un petit peu le cœur et l'esprit des éditions LVA, et on essaye d'apporter cet amour pour la moto originale et originelle à des générations qui s'intéressent aux deux roues anciennes, aux deux roues modernes, aux deux roues préparées, aux deux roues customisées. Et tous ces gens-là, on essaie de les toucher, de les fédérer, parce que finalement, on est tous simplement des amoureux de la moto. Et donc, ce qui est extraordinaire dans votre engouement, c'est quand je vous vois avec les yeux qui pétillent, quand vous voyez McGuinness, quand vous voyez certaines motos, quand vous vous extasiez, elle vient d'où cette passion ? Pour parler de mon cas, en tout cas, je suis né dedans, tout simplement. Mon père, collectionneur de motos et aussi de voitures anciennes, m'a mis dedans dès que j'ai commencé à comprendre tout simplement ce qui se passait autour de moi. Et petit à petit, il m'a appris ce qu'était la moto ancienne, il m'a expliqué les bases.
Et tout de suite, j'ai accroché et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, bah, oui, je pétille devant John McGuinness. Même encore hier soir, je l'ai croisé à l'hôtel. J'arrive à mon hôtel, je le vois qui était devant le comptoir. J'ai pas pu m'empêcher de lui demander de prendre une photo et que j'ai publié sur mon compte Facebook. C'est instinctif, c'est naturel. Voilà. Et pour ce qui est de mon cas personnel, je vais être obligé de faire une confidence que je ne fais pas souvent. Donc j'espère que ça restera juste entre nous. Donc ça fait 2 ans que je travaille dans le monde de la moto et je n'ai toujours pas le permis. Donc bon, sincèrement, ne le répétez à personne. Au-delà de ça, moi je suis un amoureux de la moto. J'aime surtout l'objet moto, qu'elle soit ancienne. J'apprécie énormément tout le travail qui est fait aujourd'hui pour faire revivre cette moto ancienne pour des générations qui, au quotidien, ne peuvent pas forcément rouler en ancienne, mais qui ont cet amour de la moto. Tout simplement pour ce qu'elle représente, que ça soit une grande famille, que ça soit un outil pratique et surtout un outil facile d'accès finalement, où on peut très rapidement avoir des bases de mécanique et tout simplement, je pense que le mot qu'on a tous entre nous, que ça soit ici sur le salon Moto Légende ou au Coupe Moto Légende, c'est le plaisir de conduire, le plaisir d'avoir des belles machines et surtout le plaisir de se retrouver entre amis.